Des centaines de tombes alignées à perte de vue. Le Sierra Leone n'en finit plus d'enterrer ses morts, 5 jours après le glissement de terrain qui a emporté un bidonville de Freetown, la capitale. Plus de 400 personnes ont péri, mais selon la Croix-Rouge, le bilan devrait encore s'alourdir. 600 personnes sont toujours portées disparues. Le président du Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a lancé un appel à l'aide internationale car les intempéries ont également détruit de nombreuses habitations et des milliers de familles vivent désormais dans le plus grand dénuement. À Genève, le secrétaire général de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a annoncé le lancement imminent d'une collecte de fonds pour faire face à cette catastrophe.